La chaîne C8 diffuse ce soir Chevalier et Las Palès, vous reprendrez bien quelques sketchs. L'occasion d'évoquer la vie amoureuse de Philippe Chevalier. L'humoriste est fou de Stéphanie avec qui il est marié. Philippe Chevalier et Régis Las Palès formaient un duo comique ultra connu. Mais en 2016, les deux hommes se séparent à l'initiative de Régis Las Palès qui voulait prendre un nouveau tournant dans sa carrière. Une année difficile pour Philippe Chevalier. Heureusement, ce dernier a pu compter sur le soutien sans faille de sa belle Stéphanie, surnommée Tiffany. Les deux tourtereaux ne se montrent pas beaucoup ensemble. Elle n'aime pas se montrer. Elle ne veut pas aller au cocktail avec moi, avait déclaré l'humoriste à Jordan Deluxe en 2021. Pourtant, en mars 2022, si est bien ensemble qu'il assistait à la soirée annuelle au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. En septembre 2021, ils se sont aussi présentés tous les deux, amoureux, à la générale de la pièce Ces femmes qui ont réveillé la France au théâtre Gaîté Montparnasse à Paris. Et en 2017, ils assistaient au spectacle Laurent Gérard sans modération sur la scène de l'Olympia à Paris. Si est-y tout, trois sorties en couple sous les flashs des photographes en 6 ans. Une tenue qui ne ressemble à aucune autre, mais revenons-en à l'année noire de Philippe Chevalier et sa séparation avec Régis Las Palès. 2016 a heureusement été sauvé par son mariage avec Stéphanie. Leur union a eu lieu le 26 juillet 2016 dans le 16e arrondissement de Paris et Régis Las Palès était présent. Ce qui est surtout à retenir de ce doux moment est la tenue très originale de Stéphanie. Âgée de 35 ans de moins que Philippe Chevalier, la jeune femme portait une sublime robe en dentelle blanche brodée de sequins brillants sur le buste. Une tenue qui mettait en valeur, de par sa coupe courte, la beauté de ses longues jambes. Après le bisou devant Monsieur le maire, les amoureux se sont rendus au restaurant Joséphine chez Dumonet dans le 6e arrondissement de la capitale. Coquette donc, Stéphanie aime aussi surprendre son amoureux comme en arborant des mèches blondes il y a un an. Un sacré bout de femme qui remplit de joie et d'amour Philippe Chevalier qui a trouvé son nouveau binôme parfait.